J'ai tout fait, je ne peux pas nier que j'ai tout fait durant toute la semaine ou la minute. Les choses n'ont pas marché. Il faut l'admettre, il faut l'assumer. Et c'est pour ça que mon avenir actuellement, il est incertain dans ce club. Pour être sincère avec les gens, sincère avec les supporters, sincère avec les responsables. J'ai essayé, même chez l'arabe, il faut savoir partir. استقبلت في هذه ليكيب صحة يعني جو دوا ديسكوتي افيك لي ديريجون افيك لي بريزيدون ومن بعد يعمل لها تاويل مي دون ما تيت جو بونس كيتي يعني باش نهضر صراحة دون ما تيت جو بونس كيتي باسكو ان سارتان مومون ما مشاتليش جو دوا لادميتر هذا دون ما تيت هكا جو سوي بارتون باسكو ما مشاتش ما مشاتش جو فو با ترو تيري سور لا كورد جي با دو بروبليم افيك لي جوار ما عندي حتى مشكل لا ريلاسيون معاهم جي با دو بروبليم مي لو روندمون ماشي هذا الشيء اللي نتمناه هذا ما كان J'aurais souhaité, j'ai été fier, mais c'est un grand club. C'est un grand club, tout entraîneur, il aimerait qu'il fasse toujours, il aimerait qu'il fasse. Le voir dans cette situation, je ne peux pas le tolérer, je ne peux pas le supporter. C'est vrai qu'on a bien débuté, on a marqué les premiers, je pense que le but est presque flamétant. Si en un mois on avait terminé la première mi-temps avec un avantage d'un but, une touche Lina, Nati Wellum, corner, en chandelle. Et ça, ça démontre un petit le manque de concentration, surtout sur les balles arrêtées. En deuxième mi-temps, le moment où on s'attendait à marquer un deuxième but, où on le rate, on était deux dans la surface de réparation, un contre, automatiquement on se fait éliminer. Facilement des erreurs dans les novices, il y avait le SFLO. On encaisse un deuxième but, automatiquement je savais que sur le plan mental, on est fragile, très fragile. C'est-à-dire on ne sait pas revenir dans le match, on ne savait pas comment trouver une solution. Et ça prouve un petit peu notre immaturité dans le jeu. C'est une déception vraiment. Je suis beaucoup déçu, beaucoup plus pour les supporters malgré le passage à vide qui a quand même duré. Hein. C'est la quatrième, troisième défaite, un match nul. Je pense que après notre qualification en Champions League, je n'ai pas reconnu l'équipe. Hein. Malgré que le travail se fait le plus normalement du monde, durant les séances d'entraînement, la préparation de match, je pense que les dirigeants ont mis tous les moyens pour cette équipe et en y reprennent. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Ajouter à cela, avec quatre défenseurs blessés, deux arrières centraux, deux arrières latéraux, un avant-centre que je comptais beaucoup sur Louis là qui s'est blessé, l'équipe a souffert. Elle est vraiment, ma poule est disloquée, mais il y a des postes clés, les mêmes. J'ai utilisé tous les moyens que j'ai entre les mains. J'ai opéré à des changements par rapport au match à l'IFET, parce qu'on avait quand même fait une mauvaise prestation à Alger. Mais quand tu encaisses deux buts à domicile, tu ne peux pas. Actuellement, notre maillot faible, c'est à domicile, on encaisse. Une équipe solide, c'est qu'elle ne doit pas encaisser à domicile. Tu es à zéro, tu dois savoir maintenir. Je pense que la business balayée, je peux dire que ma conscience vraiment elle est tranquille parce que j'ai tout fait, je ne peux pas nier que j'ai tout fait durant toute la semaine ou la minute. Les choses n'ont pas marché, il faut l'admettre, il faut l'assumer. Et c'est pour ça que mon avenir actuellement, il est incertain dans ce club. Pour être sincère avec les gens, sincère avec les supporters, sincère avec les responsables. J'ai essayé, même chez l'arabe, il faut savoir partir. J'aurais souhaité, c'est un grand club. C'est un grand club, tout entraîneur, il aimerait qu'il fasse toujours, il aimerait qu'il fasse. Le voir dans cette situation, je ne peux pas le tolérer, je ne peux pas le supporter. Moi, je parle beaucoup plus technique, je ne veux pas parler sur plein autre chose. J'aime bien parler techniquement. Et j'ai le bénisbédié que Moudalib, c'est technique. C'est Mardoud. C'est le problème. Le problème, c'est que Mardoud, c'est le problème.
ما نعرف نكونسيرفي ريزيطا. احنا مشاكلنا كاع من الماتش تاع الصيف، دو مينيت رابحين نخسروا ماتش من تما راحت، راح لنا دخلنا في الشك الدوت الخوف كلش، تحضر ولا ما تحضرش، تيسي دو ترافاي لونترينمون، دير دي زيكزارسيس اللي يعطيهم ثقه في نفوسهم، مي في المستوى يدخلوا لا بريسيون، دخل التيران الستاد وخلاص. سيرتو كونسونتراسيون، انت يا رابح 1-0 لا توش ليك، تروح تعطيها لادفيرسير بال اريتي تي اون كاس. Et ça, ça démontre un petit peu la fragilité de ces joueurs. Parce que c'est vrai qu'il y a des joueurs qui manquent de compétition, qui reviennent des blessures, qui mettent le cas à Ben Youssef ou le cas à Nefseché, Astaghfirullah ya Rabbi, Boualia, ou Boualia, il revient même d'une blessure, mais qu'elle est en équipe nationale, mais qu'est-ce que l'équipe. Même Mansouri qui manque aussi de compétition. Mais je pense que la galbe, yani, je ne peux pas les en vouloir. À un certain moment, c'est ça le football. Yani. Ils n'ont pas fait le nécessaire, au contraire. Ils ont joué avec le cœur. À un certain moment, ceci ne suffit pas parce qu'il fallait quand même savoir maîtriser nos émotions. Et ça, je ne l'ai pas senti. Une équipe à la belle qu'avant tout c'est une bonne défense, c'est un bon gardien aussi. Et quand il y a un gardien qui donne la confiance à ses défenseurs, automatiquement tu es à bois d'aise. Mais le Hans Mijadel Mais les gens blessent. À ce jour, on me blesse. Sinon, j'avais pas, aucun logiquement, Salah. Mais moi, je t'assiste, mais c'est là. Il doit se reposer. Mon coach, je me suis mis. Mais un gardien, quand il encaisse 3 buts, en 8 matchs, le prochain match, il n'y a le prochain match, j'avais pas un quelqu'un qui a une équipe nationale, Hadid et Jem. Sinon, j'aurais fait jouer. Coach, justement, c'est le moment de donner la chance à Hadid. C'est sûr. Maintenant, tu n'as pas le choix. Parce que le Mekhdersh, il ne peut ni gérer la pression, ni le Mekhdersh. C'est sûr.